L'actualité à l'étranger, Nicolas Sarkozy est arrivé en Syrie ce soir pour un voyage de 24 heures, le premier, je vous le disais en titre, d'un chef d'État occidental là-bas depuis 5 ans. La Syrie était au banc des nations, la France veut la sortir de son isolement sur place à Damas. Alexandre Carra, Francis Forget. Il y a plus de 3 ans qu'un hymne occidental n'avait résonné dans la cour du palais présidentiel de Damas. Par ce voyage, Nicolas Sarkozy brise l'isolement diplomatique de Bachar al-Assad, comme promis après la visite de ce dernier à Paris en juillet dernier. Ravi de ce joli coup politique, le président syrien s'improvise même guide touristique. Donc c'est là que Saint-Paul a eu sa vision sur le champ de Damas. Passé les civilités entre les deux hommes, sur la table, trois dossiers brûlants. Le désengagement syrien du Liban, le processus indirect de paix israélo-syrien et bien sûr la question du nucléaire iranien. Franchement, c'est mon devoir de signaler au président d'un pays qui a la confiance de l'Iran que la situation est grave et j'ai toujours été convaincu que dans le respect des alliances traditionnelles de la Syrie pouvait apporter sa pierre à la paix. Discussion économique aussi de cette normalisation, Nicolas Sarkozy espère bien obtenir quelques contrats pour les entreprises françaises. Cette visite à Damas est un tournant diplomatique pour la France par rapport à la politique d'isolement de la Syrie mise en œuvre depuis 2004. C'est aussi un pari difficile pour Nicolas Sarkozy face à un pays qui reste l'allié stratégique de l'Iran et le principal soutien du Hezbollah au Liban. La suite de la convention.